Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du volet maraîchère du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchère, Pro2M, financé par l'Union européenne, le FIRCA a organisé une formation du 18 au 21 juin sur les techniques de production de maraîchère sous serre à l'attention de 10 agro-entrepreneurs et l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Cette formation dispensée par la structure Dizengoff Ghana a été organisée en vue d'initier les bénéficiaires des serres et leur personnel à la production de maraîchère sous serre. De façon spécifique, il s'est agi de les former à l'itinéraire technique des légumes sous serre, à la gestion de l'irrigation des plants et à la maîtrise des informations nécessaires à la production de légumes, notamment la tomate. À cet effet, la formation s'est déroulée en deux phases. D'abord par la cérémonie d'ouverture, faite par M. Jean-Paul Lorgne, coordinateur du projet Pro2M. Dans son allocution, il a insisté sur la promotion d'une filière maraîchère plus professionnelle, organisée et créatrice d'emplois, en maîtrisant sa production et sa commercialisation. Après la cérémonie d'ouverture, M. Samuel Abbé, coordinateur de la division Irrigation et Serre d'Isengoff Ghana, a dispensé pendant 3 jours 11 modules qui ont porté sur la préparation de la serre avant la mise en culture, la préparation des pépinières et semis, le repiquage des plants, le régime d'irrigation après repiquage des plants, l'application des engrais, la défoliation et désintoxication, la formation et palissage, la pollinisation, le programme de pulvérisation, les informations et techniques pour guider les producteurs et les variétés de tomates. La production sous serre est généralement une structure comme ce que vous voyez, couverte avec des filets anti-insectes. Donc nous avons le revêtement supérieur en hauteur qui protège la serre de la pluie, qui protège l'intérieur de la pluie. L'idée principale derrière cette technologie est de stopper la pulvérisation et d'arrêter la pulvérisation des produits pesticides et phyto qui tue généralement, qui tue beaucoup nos populations. De deux, nous avons la possibilité de produire toute l'année. Un autre aspect très important, c'est que nous arrivons à atteindre des rendements très élevés par unité de surface comparativement au plein champ. Après la présentation de chaque module, des échanges fructueux ont eu lieu entre les apprenants et le formateur. À l'issue de ces échanges, les participants ont noté que la culture sous serre est une technologie qui permet de cultiver des plants de qualité en toute saison, sans besoin de terre et de système d'enracinement, et qui protège les plantes des conditions défavorables telles que le vent, le froid, les précipitations, les températures extrêmes, les radiations excessives, les insectes et les maladies. Ensemble, nous pouvons dire que on nous a dispensé vraiment toutes les différentes méthodes et tout appropriées pour une optimisation parfaite pour mener à bien nos différentes cultures et tout. Donc l'équipe encadrante du nom de Dizengoff et tout nous a vraiment attribué tous les rudiments, tous les différents conseils et tout pour mener à bien notre mission. Je peux dire à ce jour-là, l'équipe et tout, avec moi compris, nous sommes vraiment déterminés pour mener à bien cette mission et tout. Avec vraiment les conseils que nous a donné Dizengoff et tout, nous pensons vraiment arriver à de bonnes optimisations puisque nous sommes dans le cadre de la tomate et tout, pour avoir vraiment une meilleure culture, une meilleure production et autres. Pour servir d'exemple et tout, pour montrer à toute la nation le bienfait des différentes cultures sous serre, afin que cela puisse être galvanisé, répandu dans toute la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, une formation pratique sous une serre s'est déroulée à l'INFPA de Bingerville. Cette phase pratique a permis aux apprenants de s'exercer à la procédure de mise en œuvre d'une bonne pépinière, de préparation de substrat et de repiquage des jeunes plants. Cela consiste à remplir les alvéoles de semis de terreau, placer une graine dans chaque trou et l'irriguer à une fréquence régulière. Il faut noter que les plants sont prêts pour la transplantation 3 semaines après semis et la population végétale d'une serre est de 1152 plants. Le formateur leur a indiqué qu'il existe des maladies ravageurs fréquents des pépinières dans la serre, telles que la fonte des semis, le mineur des feuilles et la fissure des feuilles. Cependant, il existe des traitements adaptés à chaque cas de maladie.
Aussi a-t-il noté qu'il était important de gérer l'irrigation, ce qui signifie le nettoyage quotidien du filtre et le flashage du goutte à goutte chaque semaine. Et aujourd'hui, produit sur un petit espace et avoir un bon rendement, surtout de qualité et de quantité, je pense qu'en tant que technicien, c'est déjà à point nommé. Cette technique-là d'innovation, de production de la culture de tomates sous serre. Et aujourd'hui, je pense qu'après cette formation, la sortie de cette formation, je vais dire, théorique et pratique, nous sommes bien outillés en tant que techniciens à pouvoir mener à bien cette politique qui mène à lutter contre la vie chère, à produire en qualité et en quantité au niveau du territoire national. J'ai retenu comment faire une bonne pratique de culture de tomates sous serre sur toutes les formes, au niveau de l'irrigation, de la pépinière, de tout ce qui concerne la culture même de la tomate. Comment contrôler les maladies, comment défendre et protéger les plants. De façon minutieuse, cela a été démontré de façon théorique et pratique. Et aujourd'hui, nous bénéficions de cette technique pratique et technique qui va nous emmener à produire en qualité et en quantité. La culture sous serre, pour nous, en tant que techniciens, ça fait pratiquement 3 ans que je suis à Petit Yapo. Nous avons déjà produit la tomate sous serre. Bien vrai qu'on n'était pas un peu dans le nom, mais il faut dire qu'on a eu des résultats un peu probants. Mais avec cette nouvelle technologie, par le biais du FICA et de Design Growth, je crois que nous avons aujourd'hui toutes les potentialités essentielles pour pouvoir produire la tomate sous serre, qui est une nouvelle innovation pour la Côte d'Ivoire et pour nous techniciens qui venons de découvrir Design Growth. C'est une opportunité que nous voulons saisir en tant que techniciens et l'occasion de vraiment interpeller tous les techniciens qui ont été bénéficiaires. Nous sommes les premiers en Côte d'Ivoire. Et nous voulons véritablement interpeller tout le monde à se mettre au travail, à travailler de sorte que nous puissions réussir ce projet-là et qu'au travers ce projet pilote, toute la Côte d'Ivoire puisse bénéficier d'un serre pour, je dirais, une production saine, pour que la population aussi puisse manger une tomate de bonne qualité. Au terme de cette formation, les participants se sont réjouis d'apprendre une nouvelle technique de production de la tomate et s'engagent à mettre en œuvre tous les conseils reçus pour la réussite de ce projet. Le conseil EVA Palmia Huile, en collaboration avec les exportateurs d'EVA, ont organisé des élections pour élire le représentant de leur groupement d'intérêt économique, GIE. Le surcroît de production observé ces dernières années a conduit le gouvernement à autoriser les exportations de fonds de tasse en 2018 pour pallier l'insuffisance des capacités de traitement des unités de transformation locales. Toutefois, cette nouvelle activité a été fortement perturbée par les difficultés rencontrées. Il s'agit du coulage du sérum dans les navires, réduisant l'attractivité de cette opération et l'atomisation des acteurs, limitant leur pouvoir de négociation, qui ont réduit les quantités échangées et favorisé la mévente des fonds de tasse. Vu ces difficultés, le Conseil EVA Palmia Huile et les exportateurs d'EVA ont constitué un groupement d'intérêt économique, GIE, visant à fédérer les moyens et actions de ses membres, de nature à faciliter l'exportation par voie maritime des fonds de tasse d'EVA et ainsi favoriser l'écoulement de matières premières. Afin de mieux coordonner ces travaux, l'Assemblée générale constitutive du groupement professionnel des exportateurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, dénommé GPEC-CIGIE, a organisé à l'initiative du Conseil EVA et Palmia Huile une rencontre le vendredi 21 juin 2019 au siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA à Abidjan-Cocody afin d'élire une personne à la tête du groupement.
M. Koulibaly Founigué-Edmond, directeur général du conseil EVA Palmier à Huile, a souligné l'opportunité de la mise en place du GIE pour la professionnalisation des opérations et l'amélioration des revenus des exportateurs de caoutchouc naturel. Donc, chacun y allait avec ses capacités. Et nous nous sommes dit, à l'image de ce qui se passe, par exemple, dans les fruits avec Obamsi ou Cab, il faut mettre en place une organisation de type économique qui est donc capable de mieux coordonner les opérations logistiques. Donc vous allez voir que ces GIE, la mission première, c'est de faire en sorte de mieux coordonner les opérations logistiques. Parce que accéder aujourd'hui à du fret pour exporter le fond de tasse, c'est tout un défi. Et même quand vous avez des réservations de fret, parfois on vous dit c'est le prochain bateau. Après, au prochain bateau, ce n'est pas celui-là, on dit c'est le suivant, mais on ne peut pas développer une activité économique dans cette incertitude. Et donc, pour nous, il est important que l'ensemble des opérateurs, ceux qui sont là ce soir, mais ceux qui ne sont pas venus également, qu'ils puissent se joindre à cette initiative pour que les solutions qui vont être trouvées soient des solutions pour tous. Il ne s'agit pas de créer une association et il ne s'agira surtout pas de créer une plateforme de lutte de pouvoir ou de lutte d'influence, non. Il s'agit de se regrouper pour trouver des solutions techniques à une activité économique qui est nouvelle, dans laquelle donc beaucoup de gens se sont essayés. Certains ont continué de faire leur bout de chemin, mais il y en a pour une bonne part qui n'arrivent plus et qui ont abandonné pour ces contraintes-là. À cette rencontre, M. Alain Ananzé, directeur commercial d'une société exportatrice de produits agricoles, a été élu à la tête du groupement pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois. Il a remercié les membres de l'Assemblée générale et a invité tous les exportateurs de caoutchouc naturel à s'impliquer au sein du groupement pour ensemble obtenir de meilleurs résultats.